Bonjour. Ça va? Il reste une petite armée. Je voudrais bien prendre Prague. Durtu. Ouais, faudra qu'ils reprennent des unités. Si je prends Prague, je vais prendre le bâtiment spécial. Ouais, ce serait cool ça. Je prendrais le bâtiment spécial qui permet de recruter moins cher et bien à distance. Ce sera bien. Bon, il y a du monde. Hein. Les armées du chaos vont être terminées de toute façon. J'espère juste qu'ils prendront pas Prague dans la foulée, mais je crois pas qu'ils aient le... qu'ils aient la portée, quoi. Commerce. Oui, ça y est. Oh, la fiabilité. Donc, est-ce que je peux commercer avec l'Empire? Non? Comment ça? Pourquoi je peux pas? Y a pas... Bah enfin. Ah non, il n'y a pas de route. Je crois que ça ne compte que avec les routes comme ça. Hein. Et il y a... pas de... Attendez. Non, je crois que le truc c'est que... ça marcherait si le... s'ils avaient le territoire là. Par exemple, le château de Gasconie, ça marcherait. Parce que là, il y a un passage et donc la route commerciale peut passer par là. Alors qu'ici, ils ont Quenelle, mais Quenelle touche la bordure de la forêt, mais il n'y a pas de sortie. Donc c'est pas considéré comme un truc valable pour le commerce. Donc en fait, il faudrait... si l'Empire avait le château de Gasconie, là, je pourrais, parce qu'on peut tracer une route qui va jusqu'à leur capitale. Ouais, ouais, ouais. Le commerce est de capitale à capitale. Ouais, donc là, effectivement, c'est ça qu'il me faudrait, quoi. Il faudrait que l'Empire prenne le château de Gasconie ou Paravon, peu importe. N'importe lequel des deux, ça marcherait. La petite technologie qui nous permet de passer de moins 3000 aidés à moins 1700, si ça, ça fait pas plaisir. Et qu'est-ce que je voulais d'autre? Vent de magie plus 20. Je dis pas non. On va virer les gus qui sont un peu pénibles. Allez hop, un immortel de plus. Et que t'es un port. Non, les ports ne sont pas nécessairement obligatoires. Les ports sont pas nécessairement obligatoires pour commercer. Il faut... la règle, c'est de pouvoir tracer une route commerciale qui va de la capitale de l'un jusqu'à la capitale de l'autre. Et si cette route doit passer par la mer, effectivement, si on peut relier depuis sa capitale jusqu'à un port et que l'autre peut lui aussi relier depuis sa capitale jusqu'à un port, et ben c'est ok. Oh merde, ils ont pris Prague. Ah, ça m'arrange qu'à moitié. L'alliance avec les nains. Ah oui, c'est vrai que je pourrais tenter l'alliance. Est-ce qu'ils sont encore rang de force 1, eux? Ouais, j'aurais la vue sur leur territoire, bon, même si c'est pas nécessairement indispensable pour l'instant. Tiens, les Bretoniens, ils sont... il reste pas grand-chose. Non, j'ai pas confédéré les elfes au nord de l'Empire, ils sont morts. Je crois qu'ils sont morts il y a très longtemps. Voilà, ça c'est ok. Les nains. Greetings, honorable. Yes. Oh, 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 oh. Et en plus, eux, alors là, puissance économique très forte. Ah oh oui, à ce point-là. Oh, attendez, 10 000 balles. Non, j'aimerais aussi que vous vous excusiez pour ces siècles de non-respect envers notre peuple. C'est pas parce qu'on mange du tofu qu'on n'est pas des gens respectables. Alors vous allez nettoyer le sol avec cette barbe répugnante, mon jeune ami, et ensuite nous envisagerons de prendre vos 10 000 balles et de consentir à vous protéger les miches. All right. Merci.
Et les principautés, à mon avis, il y a moyen que ça fasse la même chose. J'ai pas d'alliance encore avec eux. Allez, le petit 11 d'ambre. Puissance économique forte. Ouais, alors eux, on sent que quand même, ils s'y connaissent en négociation. Les tétons, ça ne les impressionne pas. Ah oui, à ce point-là. Même à la limite, ça les frustre. Not in my name. Ah oui, non mais... Vous êtes de ces gens-là. D'accord. Ah. Quand même. On peut s'entendre. Alors. Aller chercher Volsgrad. Ça ne m'emballe qu'à moitié. Augmente l'arbre. Attention, hein, augmenter l'arbre, ça veut dire déclencher l'événement final où il y a des armées d'hommes-bêtes qui pop. Et j'ai quand même pas grand monde pour défendre. Ou alors je ramène Orion et Durtu, on fait la fête du slip à Khazrak, et puis après on s'occupe du chaos un peu plus tard. Ouais, mais il va falloir tellement longtemps pour qu'ils reviennent. J'ai 60 000 balles. Pas convaincu, hein. Bah oui, je le sais, j'ai déjà fait des campagnes avec les elfes sylvains. Hein. Ne fût-ce que dans Total War Warhammer 1. Quand même. Par contre, ça vaut bien un petit homme arbre en plus. Hein. Surtout pour Durtu. Mais peut-être même pour Orion, hein. M'embête un peu de faire ça à la limite, mais vaut mieux avoir un homme arbre qu'une unité de danseurs de guerre. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres au fait? Commerce et machin. Oh bah la Tilée, attends. You have a proposal? We are willing to hear it. A weak order. Ah non. J'ignore pourquoi, mais ils veulent pas. Et qu'est-ce qui se passe du côté des nains? Racontez-moi tout. Ah mais voilà où ils sont les Bretonniens. Ah! Mais ne me dis pas que les Bretonniens, ils tiennent le choc face à ça. C'est pas possible. Il reste plus qu'à savoir ce qui se passe en Lustrie, en fait. Mais là, je sais pas du tout. Par contre, Nagarond, il avance, hein, y a pas de problème. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux? Durée de recrutement, moins 1 pour toutes les unités. Relations diplomatiques, plus 30 avec toutes les factions. Je pense que ce n'est pas tout à fait nécessaire. Le chêne des âges qui peut être upgradé, on s'en tamponne. Eh ben, très bien. Ouais, et le clan Morse qui est pas mal non plus. Hein. En termes de force. Oh là là, le nombre d'armées du bien qui pack ici. Vivement la vague 2. Hein. Ah tiens, en fait, c'est quoi les objectifs exacts des elfes sylvains à part... Ah bah non, mais c'est juste le chêne des âges. En fait, si je mets le chêne des âges au niveau max et que je bats les hommes bêtes qui arrivent via l'événement de fin de campagne, la campagne est win. Je crois pas que ce soit nécessaire de battre le chaos nécessairement. Le chaos est mort. Non, il va repopper. Hein. Ah non, détruit. Donc ils vont venir avec la vague 2 là.
On va aller checker. Mais est-ce que la vague 2 arrive pile au moment où on perd le truc? Je sais plus. Ah, j'allais dire, tant qu'à faire, je devrais aller prendre Volsgrad, mais j'ai commencé à recruter les hommes arbres. Ce serait con. Yes, deuxième filet. Protecteur de la forêt. Je vais. Ah, mais qui se lève? J'ai pas encore l'alliance. Ah, ils veulent pas. Faut savoir pourquoi. Très bien. Presque envie d'en profiter pour faire... Oh, mais ça... Ça n'a plus rien à foutre là, ça. Faudrait des hommes arbres à la place de ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc? Revenu des ports, on s'en fout, ordre public. Contre les hommes bêtes, pourquoi pas, mais plus tard. Capacité de recrutement globale, plus 4, ça me serait utile. S'il faut lever une armée dans la panique. La suite de la campagne pourrait être de sauver l'Auterne. Sauver les Welfs, tu veux dire. Je suis tenté, mais c'est la trésorerie qui va poser problème. Parce que si je lève une troisième armée, c'est chaud. Financièrement, ça va être compliqué. Ah, c'est vrai que déclarer la guerre aux Norse, ça je pourrais. Et envoyer Orion ou Durtus, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que ils vont partir. Si je les fais partir là maintenant, ils vont arriver dans 10 ou 15 tours en Ultuant. Et quand ils vont arriver, la deuxième vague va popper. Ce serait dommage. Ah non, c'est ça, il y a juste ça, hein, pour les conditions de victoire, normalement il n'y a pas le chaos. Donc en fait, on pourrait même finir la campagne avant que le chaos n'arrive. Et là, vous seriez bien couillon. Mais je ne vais pas vous infliger ça, hein, rassurez-vous. Mais... Bon bah écoutez, ce que je vais faire... Voilà. Juste ça, histoire de se mettre bien avec tout le monde. Mais il n'y a pas de technologie pour augmenter les munitions. Orion, il a pas un truc pour augmenter les munitions de ses troupes? Donc ça fait puissance des armes, plus 12% bonus de charge, dégâts des tirs, plus 12% quand même pour les chevaliers sylvains, les sœurs de l'épine, les guerriers faucons. Ah oui, non, c'est là. Portée, plus 10% pour les gardes sylvains, éclaireurs des profondeurs de la forêt et les forestiers. Munitions, plus 20%, mais voilà, la voilà. C'est que pour les unités rang 7 et supérieures, mais il n'y a pas de problème, là ça vient. Hein. Ça vient. Voilà ce qu'il me faut. Hein? Ah ben il y a eu Ripop. Encore? Bon ben c'est reparti pour un tour de moulinette, hein. La Norska, ils vont se faire éclater, hein. Ça, y a pas de problème. Ça ne durera pas. Ils sont toujours en vie, mais...
pour peu de temps. L'Empire est déjà chez eux. Ah, ils ont récupéré Albion quand même. Bon, bah, on est reparti. Hein. Et tôt, on doit approcher le tour 140. Du live jusqu'à quelle heure? Bon, à 23h dans ces eaux-là. Bon, bah, encore une fois, les hardes d'hommes bêtes. Par contre, je vais m'éloigner un tout petit peu. Heureusement que j'ai pas pris Volsgrad. C'était la mauvaise idée. Les factions du bien vont envoyer toutes leurs armées sur la Norska. Je crois pas. Pas toutes leurs armées. Ils envoient des armées un peu partout en vrai. Hein. Regardez. Regardez l'Empire, ils ont des troupes, mais dans tous les coins, c'est incroyable. Et puis moi, je vais leur demander pas d'aller en Norska, mais de venir. Hop. Empire. Hop. By the comet. Approach his friend and make your offer. Disagree with that? Ouais, ok. Pas cool ça. Voilà, maintenant faut juste s'assurer qu'on perd pas cette armée de vue, histoire que les alliés ne perdent pas la cible. Pardon, excusez-moi, merci. Voilà. L'Empire va pas trop pouvoir se défendre hein, par contre. Enfin, Prague va pas tenir. Ok, dans un tour, les deux hommes arbres sont là. Tiens, il n'y a toujours pas de... Toujours pas les trucs de Durtu. Bizarre, ça. Ok, bah dans un tour, je me taille. Ah ouais, la rébellion, c'est où? Ok, je suis juste à côté. Consanguin bilatéral. Merci Golden Pachyderme pour les 100 bits. Ça fait 2 semaines que je ponce ton YouTube. Incroyable ce contenu. Merci. Merci et bienvenue du coup. La techno avec les buffs contre les hommes bêtes. Ce sera utile pour la bataille finale. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas comme si je manquais d'ambre. Mais c'est quoi les paris que vous faites exactement? Que je vais finir par me faire refaire le fion contre une armée précise ou... Si tu demandes à une armée, il n'y a que l'armée qui y va. Non, 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 c'est une cible de... C'est une cible de coordination militaire. Mais ça veut dire que la faction de l'IA à qui on demande de cibler un truc, après, elle peut y envoyer n'importe quelle armée, voire même plusieurs. Ça fait beaucoup, mais ça, à chaque pop du chaos, ça a été comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. Et jusqu'ici, ça s'est toujours bien passé. Je parie sur le fait que tu perdes et Welland que tu gagnes. Ah ! À chaque combat ! C'est pas deux elfes qui vont stopper. Ah non, mais moi je stoppe pas les vagues... Je m'occupe de 4 armées à chaque fois. C'est vrai en plus, à chaque fois je me suis occupé de quoi? 4 armées sur chaque vague et puis le reste en fait c'est... C'est les autres. Mais je saurais pas tanker plus d'armées en fait. Je prends trop de dégâts pour me faire 4 armées du chaos, c'est fou. Hein. Les dégâts que prennent mon infanterie en fait c'est beaucoup trop. C'est beau ça! Ça manque, tiens ça, un seigneur de plus avec un petit dragon. En fait, si je voulais être logique,
ce seigneur-ci devrait peut-être partir. J'ai 56 000. Je me fais quand même beaucoup de thunes à chaque fois. Je devrais presque lever une nouvelle armée. Ça va quand même coûter cher. Achever de mettre dans cette armée-ci... Si je fais ça, c'est vrai que... Ça donne envie, hein. Et j'envoie cette armée-là de plus. C'est un petit pari risqué, mais... Attends, j'ai des seigneurs niveau 11. Pas mieux que ça. Apparemment, non. Prochaine armée, oui, coûterait combien ? Oh, 3000 balles ! Plague Lord, at your service. Non. C'est une erreur. Attendez, parce que là, toutes les aires du chaos sont ici. En embuscade, juste devant les armées de Lost Land. Et Prague est à poil. Merci Golden Pachydem pour le sub. Prague est à poil. Je vais quand même rester encore un petit peu. Les nains vont venir. Ah, les deux armées de Lost Land, elles sont pas folles. Principauté, oui, je leur ai demandé de venir aussi. Quand même prendre ça du coup. Ok, il y a quelques hardes qui sont pas en embuscade ou qui se sont fait repérer. Peu importe. Allez hop. Ouais. Moi je rêve d'une bataille avec d'autres armées quoi. Laissez-moi rêver. Va te faire le chaos pour que Black Viper continue à offrir des subs. Je ne voudrais pas... Je voudrais pas me fâcher avec son comptable. C'est quoi les blasons à côté des seigneurs à recruter? Quand il y a un blason, ça veut dire que le seigneur a des aptitudes plus poussées, enfin des trucs plus rares. Ils sont de meilleure qualité en général. Faux coop, ouais. C'est vrai qu'une campagne, une vraie campagne coop, là on pourrait, mais bon, campagne coop, c'est complexe. Le conseil elfique est rempli. Il me semble que oui. Allez les nains, nettoyez-moi ça. Oh là 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 là, le mode campement caché de partout, attention. Campagne coop, ça prend trop de temps. Ouais, ça prend un temps incroyable. Exclusif à la faction, le blason. Chaque faction a des... Je crois que chaque faction a ce système-là maintenant. Avec des seigneurs spécifiques. Va quoique, peut-être pas tous. Ok, l'Empire a ramené un peu de monde. Ah non, il lève des armées en fait. Ok, les nains débarquent. Et là du coup, il y a... Ah yes, ils ont construit le truc direct. Plus mes deux armées. Vous avez pas envie de se mettre à côté de Prague? Je me mets derrière Prague.
Ouais, et là, tout le monde vient, tout le monde est en train de venir. Attendez, ça va super bien se passer, vous allez voir. Et on va amocher les armées qui sont les plus proches. Et toi, tu viens pas. Hop là, succès. Comme ça, celle-là, déjà, elle peut pas venir. Je sais pas combien il y en a qui sont planqués, hein, mais... Ah, ça passe pas. Allez. Faut se mettre sur Prague. Ça ne marchera pas. Ah, le qui se lève envoie du monde aussi. T'as loupé l'immortalité. Ah, j'ai été trop vite. Oh, c'est pas grave, ils sont... C'est pas les plus... Mais non, Karl! Oh yes, il a ramené des armées! Oh, allez-y, attaquez-moi! Je veux ma petite bataille avec mes renforts! S'il vous plaît. C'est qui l'autre armée, là, derrière? Non, c'est la Hardhomme bête, mais par contre, Karl a renvoyé une armée full. Ici. Attaquez-moi! Je vous ouvre mon fion, je vous accueille à fions ouverts! Allez, on veut voir ça! Ah, ça serait trop bien hein, si tout l'axe du bien faisait converger ses forces pile autour de Prague. Ce serait tellement, tellement stylé. Ah! Détendez-vous quand même. Karl a pris cher. Il y a des armées qui ont pris cher, oui, oui. Pas quelqu'un qui veut intervenir là dans les principautés, dans... Non? Mais voilà, regardez. Ouais. Oh là là, mais non, mais c'est... By Sigma. Bon, par contre... Karl. Mon bien cher Karl. C'est lui qui va jouer dans les premiers. Enfin, il va jouer avant le chaos, en tout cas. Avant la Hard et avant le chaos. Il va sans dire que si il se décide à sortir cette armée pour aller frontalement taper de l'homme bête, là, on va être pas bien du tout. Parce que je vais me retrouver tout seul avec la garnison. Et certes, la garnison est plutôt intéressante. Il y a quand même 16 unités dedans, mais c'est quand même pas des unités fofolles non plus. Je dois dire que ça va faire quand même un petit rideau de chair qui va faire le taf. Alors par contre, le truc ultime, c'est si les nains viennent se placer à côté de nous. Alors là, top moumout, hein. La bataille à 10 milliards, nickel. Hein. Moi, je dis, je le tente. J'ai envie de le tenter, c'est pour le spectacle, c'est pour vous. Si j'étais tout seul dans ma cave en train de me palucher devant mon écran en solitaire, je ne dis pas que j'aurais peut-être reculé. Hein, j'aurais choisi la solution safe. Parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes bêtes peuvent attaquer en embuscade. Mais j'ai envie de voir cette bataille à grand spectacle avec les alliances qui fonctionnent. Quel abruti! Mais non, mais il est sorti, mais quel con! Oh, les nains qui débarquent! Oh la vache! Oh, oh, qu'est-ce qu'ils leur ont mis? Oh là là! Attendez! Oh, il y a l'armée là! Il y a l'armée là, elle est tout près! Allez-y, attaquez là! Ça, c'est notre chance! Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais non. Mais jamais, mais enfin.
Et c'est tout. Et c'est tout, et ça s'arrête là. Bon, ben, prochain tour, alors. C'est pas possible. Mais oui, mais alors, Bellegarde, il va se barrer. Ben, il y a les principautés, là. Pierre gardienne des bois sauvages. Ah bah merde, j'ai pas ça. Ordre public plus 5, coût de construction moins 15% pour les bâtiments, attaque de mêlée plus 10 pour les rangers. Bon, c'est pas fou, mais... Ah oui. Qu'est-ce que je vire? Oh bah ça. Plus tellement besoin en fait. Croissance et tout. Et ça c'est quoi? Taux d'imposition plus 20%. Non, ça se garde hein. Pas déconner. Bon, ok. Ok, il y a encore des principautés qui viennent. Allez, prends au moins l'alliance. Allez, c'est bon, je te les file. Casse-toi. Franchement, c'est... je viens de faire une entorse à tous mes principes de vie hein. J'espère que t'en es conscient hein. Quelle saloperie, quoi. Payer pour une alliance. Non, mais sérieusement, quoi. Mais dans quel monde on vit, hein? Protector of the forest. Bah, au moins, s'il m'attaque, ça fera quand même une bataille avec la garnison. Et là, il y a quasiment plus d'hommes bêtes, donc c'est moins... moins problématique. Par contre, il faut que j'amoche. À stock tout ce qu'on peut. Allez, c'est parti. Voilà, au moins, je me bats contre avec Prague. Et si les nains bougent pas, mais il va pas, ils vont bouger. Bellegarde, c'est pas possible, il va bouger. Il va pas rester là. Soit il va repartir, soit il va attaquer comme un couillon, mais il va pas rester là. Mais ce serait tellement épique, mes deux armées, plus la garnison de Prague, plus le petit renfort avec Bellegarde. Oh, oh là là. L'Empire qui recrute à Prague. Plutôt une bonne nouvelle, ça va m'aider d'autant plus. Et ce serait quand même très cool. Quatre armées. Mais ça y est, ça y est. C'est... Oh les cons, mais les cons, mais les cons, ils... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh yes! Lâche! Ça y est! Ils ont pas d'artillerie? Ils ont pas d'artillerie, mais vous servez à quoi, bande d'abrutis? Ah quoi? Ah oui, d'accord. Non mais celle-là, on l'a fait, on est d'accord. Ouais, surtout que le 90% de win mes couilles sur la commode. Hein. On va pas rater ça, on va pas rater ce petit plaisir de la vie. Ah mais attendez, comment ça se joue alors ça? Parce que là on est 4 armées contre 4 armées, mais on peut pas avoir autant d'unités en même temps sur la map. Non 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 non, c'est pas une bataille dans la ville hein. Parce que c'est les principautés. D'accord, moi je vais arriver, ok. Donc eux, ils ont ça et ils vont recevoir des renforts. Ou alors... Enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment ça va se passer, là. Mais non, le renfort arrive aussi. Donc moi, je vais pas avoir toutes mes unités d'un coup, là, alors. Pas possible autrement. Orion est là. Mon lanceur de sort est là. Ça, c'est nickel.
Alors, on va se placer un peu ici. J'ai le temps, visiblement. Bah si, j'ai plein d'unités qui arrivent. Oh là 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 là, ça va être une de ces batailles. Ce sera une bataille peut-être pas trop tactique, encore que... Je me fais confiance pour qu'il y ait quand même un minimum de spectacle. Vous savez que vous pouvez... vous savez où vous êtes. Mais ça va être beau à voir, quoi. Alors, la cave, elle vient par là. On va regrouper un peu les gens. Ok. Alors, les forestiers sont 10 milliards. Ils ne tirent pas et ils se mettent comme ça. On va mettre un tireur embusqué d'un côté, l'autre de l'autre. Il y en a encore une unité là. Elle vient là. Tiens, lui, il tire. Ok. Danseur de guerre devant. Attention, ça arrive, mais j'ai encore bien le temps. C'est qui ça? C'est quoi? Ouais. Dragon, je vais les mettre avec. Avec la cave pour avoir le mobile. Il y a un homme arbre ici qui se les gratte. Il va venir avec. Oh là là, j'ai encore tellement de monde. Bon bah, je vais quand même laisser quelques unités de forestiers prêts à tirer, hein. Ok. Eh, hey, doucement, doucement. Allez, on y va, hein, parce que les consanguins de l'Empire, là, rien ne les arrête. Oh, mais oui, mais là, on va pouvoir profiter. Oh là là. Oh, mais oser essayer de me faire croire que là, en ce moment même, vous n'êtes pas en train de remplir votre calebar. Essayez seulement de le prétendre. Allez, l'armée de l'Empire qui va se positionner. Putain, par contre, le PC en PLS. Oh là là, la chute de framerate. Oh, c'est trop pour un seul homme. Ça va être violent. Mais merci, Flofflotus, pour les 500 bits. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai qu'avec des nains, ça serait encore plus stylé. Je ne dis pas l'inverse. Et d'ailleurs, ce qui manque cruellement dans cette bataille, c'est un petit peu d'artillerie impériale pour pouvoir envoyer quelques roquettes par-dessus tout ça. Merci à Sidling, je viens de changer mon calebar. Mais oui, mais il faut... Évidemment, il faut en profiter. Pourquoi je me décale, en fait? C'est derrière l'armée de l'Empire que je dois me mettre. Et pas ailleurs. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Allô? Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites peur. Pourquoi ils font ça? Ils vont pas faire ça! Allez, nous on va prendre position sur cette petite butte. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça! Mais ils cherchent même pas en plus, ils se mettent devant, ils font la pause crêpe. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils attaquent les trolls. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais c'est les chevaliers impériaux les plus cons de la planète. Mais envoyez-moi des alliés avec des neurones qui fonctionnent. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe.
Ne me faites pas regretter de ne pas avoir pris l'auto-résolve, n'est-ce pas? Alors, c'est le moment. C'est qui? C'est des alliés. Attention. Bon bah faut renforcer leur ligne. Hein. Allez là. Ça commence déjà à blober. On y va. Faut faire progresser les tireurs, madame. Oh putain, ma cave est probablement en train de se faire bourrer, bien sûr! Oh, trop de choses. Oh, trop de choses! Beaucoup trop de choses! Au secours! Toi, tu fais là. Oh, le petit pendule. Oh, le petit pendule! Allez, hop! Ah, mes cavaliers! C'est pas grave, j'y tenais pas. Pas grave. Il est parti, le machin? Oui, parfait. Oh, les forestiers qui se grattent les couilles! Fire! Attendez. On fait... Tac. Non, ça ne marchera pas. Et là, j'imagine, ma cave est pourrie, oui. Bien sûr. Voilà, reculez. Allez, servir à rien, mais plus loin. Alors. Là, il y a un blob, les petits amis. Dures-tu par ailleurs? Et merde. Il est où? Alors ok, stop. On arrête les frais. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Stop. On va avancer un petit peu cela sur le flanc. Parlant de flanc, bordel, qu'est-ce qui m'emmerde? Allez. Hop là. Veuillez éliminer cette unité, s'il vous plaît. Merde, ah, ça n'a zéro portée, leur truc. Voilà, paf, c'est ça que je veux voir. Alors, où est-ce qu'il y a une unité à supprimer? Ok, les deux dragons, ils sont occupés. Oh, ce bordel. Oh là là, mais oui, mais oh. Allez, repoussez-les! Aïe! Oui, ils vont le sentir passer. Friendly fire! Sortent pas trop mal.
Les impériaux au final, je pensais qu'ils allaient se faire éclater en 2-2. Mais au final, ça passe, hein. Attendez, il y a du monde. Alors, Orion. Oui, d'ailleurs, je lance pas beaucoup de sorts. Oh, il y en a d'autres qui arrivent, hein. Il n'y a pas trop d'ennemis là. Dis-moi que t'es un truc, toi. Attendez. Arrêtez de tirer. Ah, c'est trop tard. Dommage. Sinon, voilà comment on fait, quoi. On fait, voilà. Et puis après, je leur ordonnais de tirer. Et là, ça marche comme strat. Mais faut être un PGM. C'est con, hein. Vraiment dommage, hein. J'aurais bien aimé. Ah, j'ai un dragon qui se fait pourrir. Ah non, il va mourir. On va virer moi ça. Ah, on dirait qu'il va sortir. Ok, les munitions commencent à se faire plus rares. Ah, dures-tu, ils se démerdent, hein. Pas l'air d'être trop tracassé pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Fous le camp, toi. Sors de là. Ok, 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 ok. C'est terriblement le bordel, hein. C'est pas grave, c'est normal. Petit souffle. Non, non, pas là, pas là, pas là. Devant. Pour que le souffle aille bien dans la tronche du canon. Et ça doit fonctionner, en fait. Donc là, vas-y, place-toi. Voilà. Et là. Allez, transforme ce truc en testicule fumante. Ouais, ça a pas fonctionné. Quand même aléatoire. Bon, par contre, les nains, ils ont pris tarif. Pouah, y a plus rien qui avance. Plus rien qui approche. Qui arrive jusqu'à moi. C'est quoi encore ça exactement? Moins d'attaque, de vitesse, de précision. Ah oui, moins de précision aussi, ça c'est bon. Consanguin bilatéral. Bon, merci Sozuon pour les 100 bits. Cette bataille de l'enfer, ben oui. Ouais, mais quelle belle bataille. C'est une bataille esthétique et non tactique. C'est bien aussi, hein. Aïe, canon de merde! Ah, mais ils ont perdu en fait. Avec un peu d'artillerie impériale, franchement, ça aurait été tellement stylé. Et des nains. Consanguin bilatéral. C'était quand même une fort belle bataille. Merci Mixum, la bataille du Mordor. Il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de faire encore plus stylé. Par contre, qu'est-ce que j'ai dû faire comme Friendly Fire, hein? À mon avis, on doit être pas trop mal là. Est-ce que j'ai perdu des unités? Ouais, il y en a qui ont quand même pris très cher. Eh bah quoi, il les tue ou pas? Attendez, parce que je vais me prendre des salves d'arquebuse dans le fion si je ne fais rien. Voilà. Parfait. Par contre, c'est pas la seule bataille qu'on va devoir faire là. Donc je pense qu'il va falloir reculer pour la prochaine. Ah, sauf si c'est vrai que les principautés jouent, mais il y a encore d'autres factions qui doivent jouer peut-être.
Tu vas devoir enchaîner. Bah, je peux reculer, quoi. Je sais pas s'il y avait... Je sais pas s'il y avait... Ah, mais il avait été à mon doigt, ah oui, il a non, cliqué. Il y a quand même encore... D'accord. Encore ces histoires de paris, mais c'est malin. Il faut jamais parier ce qu'on n'est pas prêt à perdre, surtout quand on parie sur ma tronche. Merci, Black Viper. Ah, mais il avait été à mon doigt, il a cliqué. Merci beaucoup. Mince, j'ai pas vu combien ça m'avait rapporté la bataille. Bah 5 subs. Je parie sur le chaos justement. Ah. Bah alors tu vas peut-être tu vas peut-être pouvoir gagner prochainement. Eh mais l'Empire a pas joué. Ah mais il avait été à mon doigt, il a cliqué. C'était que les principautés parce que l'Empire avait... L'enfoiré, il en restait un. Ah mais il avait été à mon doigt, il a cliqué. Je sais pas si la résolution automatique... Encore un crash, c'est fou, hein. Quand même très bizarre. Consanguin bilatéral. Merci à Sidney. Le crash intempestif. Toujours au meilleur moment, en plus, que ça arrive. Fait chier, quoi. Non, attendez. Me virer mes cavaliers sauvages. Bon, je sais bien qu'ils étaient dans un piètre état, mais quand même. Bon, donc on reprend la sauvegarde avant cette réseau auto de mort. Mais les réseaux auto avec les elfes sylvains, faut juste jamais les faire, en fait. Consanguin bilatéral. Merci Golden Pachyden, c'est dingue le jeu pas stable après tant de temps. C'est. Oui, c'est. Il suffit d'appuyer sur deux touches de son clavier et il pète un câble. Ah bah regardez, Orion il est pas là. Il est là mais il est pas là. Il est là-bas. Il se cache derrière le panneau. Non, je ne veux rien savoir. Il y a quoi là-dedans? Mais oui, mais c'est fou le merde. Comment l'IA gère les batailles auto? Bah il fait. Il calcule sur base de points quoi. Les unités en termes de... Tout ce qu'il y a en termes de points de vie, d'armure, de tout le bazar. Et il dit, voilà, en réseau auto, c'est autant, quoi. Ah, c'est même pas vraiment une embuscade, en fait. C'est une attaque d'embuscade, mais sans embuscade. Ah ouais, bah alors... On fout les deux hommes... En plus, dans un couloir. Ah bah, bonne chance. Hein. Pas besoin de jouer à... à la quéquette stratégie. Qui a la meilleure stratégie? Qui a la plus grosse stratégie? Tout le monde tire dès le début. Je pense que l'infanterie, on va même pas devoir l'engager. Je vais peut-être juste, hein, histoire d'avoir un semblant de tactique, mettre les unités anti-large sur le côté. Bon, ça ne paye pas de mine, ça ne mange pas de pain. L'une de ces deux expressions est probablement celle que mon cerveau tente d'utiliser à bon escient à ce moment précis. Je n'en doute pas. Ils n'avaient pas de Sigor en plus, hein. Bon, par contre, faut que je me démerde n'importe comment, mais... Oh, il y en a plein qui sont passés rang 7 du coup. Donc si Orion pouvait prendre son point... pouvait avoir son point de compétence pour faire de tout ce petit monde... des gens buffés, des gens bien. Un peu foiré ça. Alors attends, il est où leur truc? Ouh! Attention!
Ah mais non, mais même pas, mais c'est même pas... Oh là là, c'est même pas la peine, oh. Il suffit de balancer les hommes arbres en fait. Hein. Ok, ça tente quand même les petits passages de ce côté-là. Hein. Orion en attendant, tiens. Hop. Oh là là, leur cavalerie, elle comprend tellement rien. Oh. Il me touche à peine, il se barre. Ouais, ouais, y a pas de problème. What? Encore 30 de vent de magie? Mais la vache, mais elle a combien? Je sais même pas si j'ai eu des pertes, en fait. Est-ce qu'ils ont pu m'enlever une unité? Ah ouais, j'ai perdu 17 personnes. Ah merde, je pense que j'aurais dû optimiser. La faiblesse des hommes bêtes aux flèches. Ah oui, encore heureux, parce que le principe des hommes bêtes, c'est que c'est une faction qui est très 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 mobile. Donc bon, faut bien qu'elle ait des faiblesses. Je le sens quand même un peu mal pour Prague, là. Mais le chaos ne joue plus. C'est les fantoches, maintenant. Donc non, c'est fini, en fait. C'est fini. Je peux reculer. Tranquillement. Oui, c'est le Friendly Fire. Oui, c'est vrai que probablement. Bon, qu'est-ce qui reste là-dessus? Pas grand-chose. Mais combien, moi? 60 000. Ah, d'accord. Bon, là par contre, on va repasser aux stratégies pontales. Et à base d'embuscade, évidemment. C'est quoi ça? Réduction du temps de rechargement 12% pour toute l'armée, ça c'est... Si ça, c'est pas obligatoire. Eh, Orion a pas pris de points, tiens. Il arnaque. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition? Il y a encore des nains. Ah, encore une belle armée ici. Encore des principautés. Bon, l'Empire, à mon avis, va se faire raser Prague, mais il pourrait se défendre très correctement contre tout ça. Oh, c'est Gotrek! Eh, il est avec l'Ostland. Ok. Crois pas qu'ils vont aller beaucoup plus loin, hein.
Alors là, je prends plus rien. Amélioration, on sait. Ouais, d'autant que là, ils peuvent pas. Si je décide de reculer, ils peuvent probablement pas aller très très loin. Puis bon, les nains vont envoyer du monde. Non, ça va aller. Des nouvelles armées de l'Empire qui arrivent, ouais. Et les nains qui foncent sur le chaos. Putain, mais ils en ont rien à battre, hein. Les nains... Et ils éclatent quelques armées, hein. Oh là 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 là. Oh là là, mais regardez-moi ça, comme ils les grignotent. Merci d'être venu. Ah, il reste des hordes du chaos. Ah bon? Marcus est toujours en vie. Marcus. L'expédition du Yagmarshal, elle est toujours, toujours vivante? Oh, mais l'Empire qui résiste avec les nains et les principautés, c'est un truc de fou! Attendez, je vais avoir une rébellion. Ok. Ah ouais, d'ailleurs, je devais faire un bâtiment ici. Là. Même si, encore une fois, c'était pas la priorité des priorités. Peu importe. Il y a un petit peu de corruption. J'aurais peut-être dû y mettre un point... est-ce qu'il y a une armée que je peux attaquer avec des renforts? Ouais. Ouais, mais non. Non, je vais leur laisser faire. Je vais laisser à l'Empire. Je vais laisser l'Empire faire ses petites affaires. Oh, qu'est-ce que je les gratte. Oh ouais, ça fait quand même quelques unités qui perdent des points de vie, mais sévère. Hein. Mais ça doit être ça en fait, le truc ultime avec marbre forestier et tout. C'est vrai que j'ai pas encore joué le soin, mais genre 4 marbres devant l'armée avec des dryades pour claquer du soin dessus, plus des tireurs derrière. Donc on a le tank ultime pour les elfes sylvains avec le soin dessus et tireurs derrière. C'est ça en fait le combo magique. Ils vont tenir. Ah, ça c'est pour moi ça. Ah, ils sont repérés Orion, du coup ils sont tombés avec... Paf! Allez, barrez-vous! Et il y avait l'Empire en plus. Ils avaient quoi l'Empire? Ah, ils avaient un peu d'artillerie. Ça pouvait être sympa ça. Mais ils vont attaquer! On va en rester là! Ah oui, oui! Et là, dis-moi que j'ai encore l'Empire avec. Oh, parce que, mine de rien, l'Héliobolis, il est amoché, mais on s'en fout. Tant qu'il est en vie, il tire. Un canon, pareil. Lui, par contre, il est amoché. Les 48 gardes frontières, bon, on est content quand même. Et
4 armées de nouveau, hein. Est-ce que l'Empire fera n'importe quoi, va tout simplement quitter le goulot et va courir jusqu'au chaos et se suicider comme un débile, c'est ce que nous découvrirons dans la prochaine VOD. Bonne nuit quand même.